Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ici T-Prince. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de notre Let's Play sur Castlevania Lord of Shadow. Voilà, nous sommes aujourd'hui... Enfin, moi, j'espère en tout cas que vous allez bien, pour ma part, ça va. Et ben écoutez, on va se retrouver sans plus attendre. Bon, nous y voilà. La dernière fois, nous nous en étions arrêtés à la fin de la forêt enchantée, si j'ai bon souvenir. Du coup, nous allons aujourd'hui continuer sur l'épisode d'après. Je tiens à m'excuser pour le... Attendez, je vous dirai ça juste après. His prowess in battle is undeniable. He will need it now. Goblins are one thing, but there are other creatures in the dark places of the world, creatures who know nothing of his plight but fight for their very survival. Many fallen brothers are testament to this. Indeed, their bleached bones adorn the tortuous tunnels in this godforsaken place. He runs ever onward into peril. I wonder who the prey is and who is the hunted. Perhaps when the time comes, these creatures will know fear as they look into the eye of their quarry. Go, my friend, save your love. D'accord. Du coup, je tiens à m'excuser pour les petits cuts inopportuns. Oula. Pour les petits cuts inopportuns sur le début de l'épisode 4. C'est pas de mon fait, j'ai dû couper parce que sinon il aurait fallu que je refasse tout l'épisode et c'est pas que j'en avais pas envie, c'est que je crois que ce jeu a un système de sauvegarde qui ne me permet pas de refaire les niveaux en chopant les items, les trucs et les machins. Du coup, what? Oh non, qu'est-ce que... Non, s'il vous plaît. Non, j'aime pas ça. J'aime pas les araignées. Mon dieu, putain. Ça va être horrible. Je vous le dis tout de suite. Oh, putain de merde, c'est dégueulasse. Dégage là. Coup de pied, ça aussi on l'avait acheté dans la fin de l'épisode 3 si je me souviens. Zbleh! Wow! Couteau. Oh, elle esquive. Hop, raté. Hop, raté. Putain, c'est esquive, c'est chiant, ça bouge. Ah, non. Oh, je t'ai vu venir. Là, pour le coup, c'était téléphoné. Hop là, à moi la délicieuse magie. Encore? Allez, encore. Je t'ai vu venir. Bon, du coup, je vous disais avant la cinématique, j'ai dû couper parce que mon logiciel de record a fait quelques sautes et du coup... C'était ça ou refaire le niveau entièrement, et de ce que j'en sais, c'est pas, on peut pas refaire, enfin l'épisode n'aurait pas été ouf si j'avais dû le refaire. Du coup, j'ai pas eu le choix. Donc pour vous proposer le contenu pas le plus quali, enfin le plus quali que j'ai pu en tout cas. D'accord, faut aller en bas. Super. Quoi? Où? Qui? OK, c'est vous. Vous, je vous ai déjà combattu. Je me souviens de vous. Je me souviens parfaitement de vous-même. Aïe, toi tu m'as touché. Bien joué. Aïe, bien joué aussi. Ah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Oh! Prends ça! Aouh! Ça c'est la violence. Ah
Au! Ah! Elle était téléphonée, pourtant j'ai pas réussi à l'appareil. C'était bien joué. Ah non, 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 prends toi ça. T'arrêtes maintenant. Bon, c'est bon. Nous y voilà. Bon. Du coup, voilà. J'espère que ça ne fera pas pareil. Normalement, ça devrait aller, mais j'espère que ça ne fera pas pareil ici. Ça m'attristerait beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a là? Des choses. Très bien. Mais pourquoi il y a un passage de l'autre côté, là aussi? Attendez, je suis arrivé de là, donc ce que ça me montrait automatiquement, c'est ça. Donc moi, je vais aller voir là-bas. Toujours derrière les caméras, il y a des choses. Ce chemin là. What the fuck? Ah, il y a un chevalier mort là-bas. Ah 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 ah, oh oh non. Pourquoi il va vers le côté automatiquement? C'est bizarre ça. Allez, hein. T'arrêtes, hein. Voilà. Je me fais plus chier maintenant. Un parchemin. Malgré leur taille, les araignées sont incroyablement rapides et agiles. J'ai entendu dire qu'un guerrier expérimenté peut même les dompter jusqu'à un certain degré. Si elles sont assez épuisées et démontées comme un facocheur. Je me suis laissé dire que leur toile pouvait être utilisée pour tisser des ponts assez solides pour supporter le poids d'un homme. Incroyable. Je suis peut-être en train de perdre la tête. Coincé dans cet endroit infernal. Je dois être fou pour croire de pareilles choses possibles. Bah non. Ah merde. Non. Je voulais juste regarder. Je voulais juste... Ah ah ah. Putain, c'est chiant. C'est galère, hein. To fight? To fighting? Everybody kung fu fighting, non? Du coup, il y a quoi là? Quoi ça? What? What? Ah d'accord, la fameuse liane que je voyais de là-bas, d'accord. Ok, c'est bon. Je viens de... Ah. Ok. Petit freeze du jeu, tout va bien. Tout va très bien. Du coup, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que je peux... Vous devez améliorer votre croix de combat pour scier ce totem. Revenez quand vous aurez amélioré vos compétences. Écoute, on va aller voir là-bas déjà. Il y avait quoi? On va y retourner. Pardon, j'ai fait demi-tour, du coup on va retourner là-bas où on était, on va chercher et puis on va voir. Ah, une autosave. Tic 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 tic, yes. Non, j'ai été trop brusque. Douceur, 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 c'est bon. Ah, je t'ai entendu. Je t'ai entendu. Ah non. Oui, je l'ai eu rapidement au-dessus. Ok. Je vais te dorer, c'est égal. Grosse araignée. Tu es dégueulasse! Mon dieu, tu... Allez, mais tu vas mourir!
C'est incroyable, ça meurt jamais, hein. Je peux pas monter apparemment. Là. 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 Allez. Ah. Je me disais bien aussi. Mais non mais. Abuse pas. C'est quoi, c'est là? Ah, je vois la faille dans le mur, ok. Du coup, de là, je suis censé accéder ici. Ok, d'accord. Ok. Je pose des choses ici, là. Ah, là, il y a un chevalier mort. Qu'est-ce qu'il a, lui? Vous avez trouvé une clé de pierre runique. J'imagine qu'elle va en bas sur cette énorme porte. Bon, d'accord. Du coup, c'est tout ce qu'il y avait ici? Il n'y avait rien d'autre, là? Vraiment? C'est tout? Réellement? Ah, putain, ça fait chier. Et mon bonus? Je cherche des bonus? Moi, je veux des bonus. On veut les délicieux bonus. Non, 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 non. Du coup, le mi-tour est long. Oh, 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 oh. Hey, j'étais en plein milieu, c'est une blague? Oh, mais... Ah, attendez. Non, non, rien. Bon, allez. Go, go, go. Tac, 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 tac. Du coup, il restait ce passage-là, c'est ça? Il semblerait. Eh ben, allons-y, c'est parti! On devait trouver un moyen de faire sauter cette barrière. Les gobelins, je pense. D'accord. Ah! Ah! J'ai bourré, j'ai bourré, j'ai bourré! J'ai bourré, je suis désolé, j'ai bourré les touches. Et je me suis fait graver les gars aussi. Voilà, donnez-moi vos âmes. Il y a quoi là ici? C'est une porte, c'est qu'il y a quelque chose. Un bonus, un bonus, un bonus, un bonus. Ah, la deuxième clé, d'accord, super. Je rêve, on voit la porte. Non, on voit la porte en fond là-bas, d'accord. Super, c'est superbe. C'est magnifique, franchement, il est magnifique ce jeu. Ok, panorama large, une tonne de vie. Qu'est-ce que c'est que cette main gigantesque? Une grosse main. Ah, il y a un chevalier là-bas. Allez, au moins un bonus. Pas un papier pour une fois. Si, un papier. Ah putain, un papier. Il n'y a que mort et désolation autour de moi. Dieu nous a abandonnés. J'ai abandonné ma quête. C'est perdu d'avance. Je ne veux pas mourir pour finir comme tous mes frères tombés sur le champ d'honneur, destinés à finir comme cadavres pillés par d'autres aventuriers. Je ne veux pas de cela comme destin. Désolé. Désolé, désolé. T'es quand même mort comme un caca. Continue. Oula. Semblerait-il qu'il se passe des choses par ici. Ah, on arrive à la porte. Du coup, là-bas, il y a quoi? Là-haut, il y a quoi, là? On veut que j'aille à la porte, mais là, il y a quoi? Il y a quoi, à cet endroit-là? Un chevalier mort! Bah, comme quoi, il fallait pas que j'aille à la porte! Et ça fait quoi, ça? Ah. J'ai suivi le chemin de Rinaldo Gandolfi, le célèbre alchimiste et frère de la confrérie de la lumière. Je ne sais pas ce qui l'a conduit à quitter l'ordre, ni à disparaître comme ça. Mais ses talents seraient plus qu'utiles dans ces heures sombres. On dit qu'il a fabriqué des armes magiques et des reliques, et qu'il les a bien cachées, et que seuls les plus acharnés et méritants peuvent tomber dessus.
magnifique. Qu'est-ce que ça fait, ça? Je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment. Bon, on verra. Non, quoi que, vous savez quoi, on va voir tout de suite. Ah! Ah, merde. Bon. Ellipse! On se retrouve là-bas. Allez, à de suite. Re tout le monde, voilà, on y est. Il a pas, c'est pas été très long, c'est juste que je vous ai épargné le chemin. Du coup, ça là-bas, ça nous ramène, d'accord. J'imagine que la grotte qu'on voit là-haut, c'est là où j'ai trouvé le chevalier tout à l'heure, au vu de l'angle. Ouais, c'est ça. D'accord. Et là-dedans, il y a quoi? Clic. Double clic. Porte qui s'ouvre. Oh, un hôtel, oui! Un hôtel! Génial. On va avoir quoi cette fois-ci? Allez, upgrade-moi tout ça. Fait que ma croix soit plus purificatrice. Oh, délicieux. Des pointes sur ma chaîne. Cool. Chaîne à pointe. Renaldo Gandolfi a fabriqué deux chaînes différentes pour la croix de combat, mais celle-ci n'a jamais reçu l'approbation de la confrérie, pour des raisons évidentes. Les anciens pensaient que les pointes étaient trop cruelles pour la nature sacrée de l'arme. Toutefois, au lieu de la détruire, l'artisan a caché les maillons dans l'un des mausolées de l'ordre, pensant qu'il pourrait s'avérer utile un jour. La croix de combat peut être utilisée avec la chaîne à pointe pour scier des obstacles et pour s'enrouler autour du cou des monstres dangereux afin de les dompter. Ah! Ça, c'est cool. On va explorer un peu. Ok, très bien. Du coup, il disait tout à l'heure, il y a un endroit, je me souviens, où il disait qu'il fallait qu'on améliore notre croix de combat. J'imagine que ça doit être fait pour. On va aller voir ça. Espèce de poteau là, vous vous souvenez là? Je sais plus à combien de temps c'était dans la vidéo, mais je me souviens qu'il y avait un poteau où il nous disait il faut que vous reveniez améliorer votre croix de combat ou un truc comme ça et revenez après. On va aller voir ça là. Si ça se trouve, c'est ça. Ben monte. Qu'est-ce qu'il fait? Non mais. Du coup, vu qu'on fait demi-tour avec ça. Tac 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 tac. Là, voilà, c'est ça. Celui-là. Ah, c'est ça. Ok. Ok, 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 d'accord. C'est bon. Mais ça se fait, ça se fait. D'accord, très bien. Petit tuto. Ah, voyons qu'est-ce que c'est. Yes. Deuxième gemme de lumière. Cool. Cool, cool, cool. Par où je... Ah oui, oula, pardon, j'avais pas les yeux réellement en face des trous. Du coup, là, je vais rester avec vous pour le retour. Et on va continuer la quête. Ah, jauge de vie déjà pleine. Cool. Attendez, attendez. Tac, tac, tac. Tac, tac. Tac. Un peu de combat, un peu d'exploration. Des allers-retours. Bon, c'est chiant, c'est toujours ça dans ces jeux-là. Mais bon, écoutez, ça fait aussi partie du game. Hein. Ah non! J'avais pas les mains. Enfin, je me suis trompé de touche. J'avais pas le doigt sur la bonne touche. Gros nul. Ok.
Du coup, nous pouvons skipper et continuer. Du coup, il n'y a rien ici. Rien nulle part. Rien ici non plus. Très bien. Il y a un trou ici. Très bien. Merci la caméra. D'accord. Du coup, tuto. Okay. Allez. Tac. C'est parti. Tac, 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 tac. Et ah, eh ben voilà, bah parfait, fin du niveau, génial. Le timing il est parfait. Le timing est parfait, bah écoutez, Mais écoutez, on va prendre ça et puis on l'essayera dans le prochain épisode, ça marche? Voilà, on prend ça, on l'essayera dans l'épisode prochain, du coup. Voilà, c'était notre épisode 5 sur notre aventure sur Castlevania. Écoutez tout le monde, j'espère que cet épisode vous aura plu, comme d'habitude. Si jamais cela vous a plu, écoutez, laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire, un abonnement. Ça paye pas de mine, c'est toujours encourageant et puis ça fait toujours plaisir. Ça motive vraiment beaucoup. Du coup, je vous souhaite un très bonne fin de journée. Et puis je vous dis à la prochaine pour l'épisode 5. Ah, ciao tout le monde, portez-vous bien.